Alors bonjour, en fait je me présente, je suis Stécie Stupébé, donc la fille de Sylvie Finger, et en fait je voulais parler en fait par rapport à un truc en fait qui m'agace un peu. C'est le fait en fait qu'il y ait en ce moment même en fait des gens qui s'amusent à insulter ma mère, et pas que d'ailleurs, hein, d'autres gens aussi qui eux aussi se battent pour leur enfant. Et comment dire ça gentiment? Je trouve ça débile en fait de leur part. Parce que, enfin, je sais pas en fait, j'ai l'impression en fait qu'ils ont rien d'autre à faire dans leur vie que de saboter, des militants quoi. Et moi je trouve ça dégueulasse dans le sens où, pour moi quelqu'un en fait qui va être contre ça, va pas se mettre à saboter des trucs, à traiter ma mère, parce que j'ai vu des captures d'écran. Je suis pas, c'est pas, comment dire, c'est pas, je dis pas ça comme ça. J'ai vu des captures d'écran. Je suis dans des groupes Messenger. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu certaines captures d'écran. Et même moi, je trouve ça aberrant dans le sens où on peut pas faire ça, dans le sens où c'est pas humain en fait de faire ça. C'est comme si le lendemain, il y avait par exemple une cause défendue, par exemple, je sais pas, par exemple, imaginons, par exemple, il y a des militants contre le trafic d'armes, et il va y avoir des gens qui vont, au lieu de les soutenir, puis, au lieu de les soutenir dans leur combat, qui vont saboter justement le combat pour un peu faire péter les plombs. Et moi, je vous le dis, ma mère, vous allez pas lui faire péter les plombs. Parce que tout simplement en fait, elle est pas, je pense qu'elle n'a pas votre temps en fait. Elle n'a pas votre temps à être là, à regarder les gens en train de la traiter de n'importe quoi, de la traiter de folle. Attends, il y avait quoi aussi? J'avais vu sur Messenger, il y avait quelqu'un qui avait dit faire l'amour sous le sida, nanana, vous croyez marrant en fait? Enfin, moi je sais pas moi. Moi, si vous voulez être marrant, je sais pas, allez dans un truc de comédie club, mais sérieusement, ne faites pas ça à ma mère, surtout à ma mère, en fait. Parce que de là, en plus, à remettre en question les choses que j'ai dit moi-même et les choses que ma mère m'a dit, c'est dégueulasse. Tout ce que j'ai dit, c'est vrai, c'est pas ma mère qui m'a dit de le dire, c'est moi-même, je suis allé à la conférence de moi-même, j'ai dit à maman, maman, je vais à la conférence, j'ai fait un témoignage. Pour un peu dire tout ce qui se passe. Et ça fait quand même énormément de temps qu'elle est là, qu'elle nous soutient, qu'elle est là, qu'elle se bat pour nous, qu'elle se bat pour mon petit frère. Et il y a des gens, voilà, qui sont là, qui veulent saboter leur combat. Parce que littéralement, moi, je pense qu'ils sont limite jaloux. Parce que moi, il n'y a pas d'autre raison. Saboter comme ça, insulter une maman qui se bat pour récupérer ses enfants. Sérieusement, vous croyez vraiment humain en faisant ça? Parce que moi personnellement, je vous le dis, moi je laisse passer parce que moi je donne pas d'importance aux gens comme ça. Mais on n'insulte pas ma mère. Et c'est pas. Et je pense pas que ça soit joyeux de voir que sa maman se fait insulter tous les matins. Mettez-vous à ma place un peu. Parce que. Voilà quoi, moi quand je vois ma mère en train de se faire traiter de tous les noms par énormément de gens, moi je peux pas, je peux pas. Je peux pas rester comme ça à rien faire, je peux pas. C'était juste pour pousser un coup de gueule parce que clairement là j'en avais marre. Et en plus, il y a pas que ma mère, apparemment, il y a énormément de gens aussi de mon entourage qui se font insulter. Il y a des gens aussi que je connais pas et qui mènent aussi un combat comme ça. Et je pense que. Au lieu de les insulter, au lieu de les saboter, je pense que vous devriez vous poser des questions et savoir c'est qui le fou dans l'histoire. Si c'est eux ou si c'est réellement vous, les trolls. Voilà, c'était.